pris au piège. Comment je vais m'en sortir? Il faut que je réfléchisse. Et vite, sinon... Ah, un lapin pris au piège. Salut les gars, moi c'est Rintintin. Ah, je te tiens, tu es mort, lapin. Télégramme pour Elmer Fudd. Quoi de neuf, docteur? Cher neveu, je te laisse 3 millions de dollars dans mon testament. Oncle Louis. je suis riche. Pas scriptum, mais tu n'auras pas un sou si tu fais du mal à un animal, et particulièrement au lapin. Tu peux t'en aller, petit lapin. Allez, va donc bondir et folâtrer dans la forêt. Non, je suis riche. Vous avez entendu? Faites-moi de l'air. 3 millions de dollars. Sors de là ou je t'explose la cervelle. Que dirait oncle Louis? Je suis un homme déguisé. Je vous en prie, monsieur lapin, retournez vivre chez vous dans votre belle forêt. Soyez un gentil lapin. Mais est-ce que vous essayez de me tuer? Vous avez failli me fracasser le crâne. Je vais immédiatement prévenir le bon oncle Louis. Opérateur, vous avez de la monnaie? Allô, opérateur, passez-moi le noisette 3-3. Oh, c'est toi, Marty. Mais comment ça va la vie? Pitié, monsieur lapin, n'appelez pas oncle Louis. Je ne vous ferai plus de mal, c'est promis. Bon, d'accord, mais attention, hein, pas d'entourloupette. Qu'est-ce qu'il y a à manger dans la cuisine? Manger? Non, mais puis quoi encore? Le café au lit? Par ici, monsieur lapin. T'es bien né. Ce coquin de chasseur m'a doublé. Ouvrez-moi cette porte! J'ai une pneumonie! Ouvrez-moi! Oh, je vais mourir! Je vais mourir! Non! Je suis trop jeune pour mourir! Pitié! Pitié, laissez-moi entrer! Cette scène poignante devrait au moins me rapporter un César. Dites adieu de ma part à l'oncle Louis. D'accord. L'oncle Louis. Mon Dieu, qu'ai-je fait? 3 millions de dollars qui partent en fumée. Ne meurs pas, petit lapin. Je t'en prie, ne meurs pas. Walk a my baby on a treetop. When a wind blows the cradle. La même chose en plus rythmé, c'est possible? Walk a my baby on a treetop. When the wind blows the cradle will walk. When the bow breaks the cradle will fall. Down will come baby. Télégramme. Votre oncle Louis vient de faire le grand saut. Vous avez hérité de 3 millions de dollars. Moins 52 000 dollars de taxes de défense, moins moins ce qui fait que vous nous devez 1,98 $ à envoyer d'urgence. Finalement, t'as pas tiré le gros lot. Non, mais toi, tu vas passer à la casserole. Youplay!
Joyeuse Pâques, elle-mère.